Hola, bienvenue sur Christian Cri, nouveau vlog, c'est parti. On est mardi 11 février, il est 9h30. Je suis levée depuis une petite demi-heure. J'ai dormi super tôt, enfin super tôt, avant minuit hier. Donc du coup, j'ai tellement bien dormi, mais ça va, je me sens bien. Mais parce que hier, je me suis levée tôt aussi, donc, et j'avais mal à la tête. Donc voilà, et je voulais me faire un petit déjeuner, mais finalement, je crois que je vais pas me faire parce que j'ai pas encore vraiment très faim, je vais peut-être attendre. De petit dé faire le déjeuner et voilà. Là, je pense, parce qu'il faut que je le fasse, donc je vais le faire maintenant. Je vais aller remplir, vous savez, le questionnaire qu'on vous donne. Parce que j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste jeudi pour l'opération, pour l'opération quoi. Et je dois remplir un questionnaire et je vais le remplir parce que voilà, faut que je le fasse. Alors, mon nom, on va l'écrire juste ici. Mon prénom, Chryslaine, du coup. Oui, je m'appelle bien Chryslaine. Date de naissance, je suis née quand? Le 16 décembre 1999. On va couper. Vous allez vous faire opérer de kyste pilonidal. Kyste pilonidal. Avez-vous déjà subi une intervention chirurgicale ou une endoscopie? Oui. Avant, je répondais non. J'étais là, c'est bon, non, tout est non, c'était rapide et tout. Maintenant, de quelle intervention s'agissait-il? Alors, d'abord, j'ai eu un kyste ovarien droit. Je vais marquer kyste ovarien droit. L'année, c'était en 2017. Je te jure, j'ai appris à retenir les dates. Ensuite, j'ai eu un drainage pilonidal, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, hein. Donc, drainage pilonidal, c'était en 2019. Et ben, c'est déjà bien. J'allais mettre la troisième, mais voilà. De là, c'est maintenant. Bref, tous ces trucs, c'est non. J'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. Faut que je me coiffe aujourd'hui, je sais pas si je vais le faire. Ensuite, je trouve que celui-là, il est plus long que celui que j'avais fait en 2017. Alors, on plie ça correctement. Est-ce que j'ai des allergies? Non. Traitement en cours? Non. Saignement du nez? Non. Avez-vous des antécédents dans la famille proche? Non. Pour les femmes, avez-vous des métroralgies ayant conduit à une consultation médicale ou traitement? Nanana, non. Non, pas d'hémorragie postpartum. Oupla. Ensuite, êtes-vous essoufflé pour monter deux étages? Non. Êtes-vous fumeur? Non. Avez-vous consommé de l'alcool régulièrement? Non. Êtes-vous drogué? Non. Enfin, consommez-vous des drogues? Si oui, laquelle? Avez-vous des prothèses dentaires? Non. Portez-vous des lentilles? Non. Un appareil auditif? Non. Des piercings? Un piercing? Piercing aux oreilles, ça compte? Et puis dans tous les cas, j'en mets pas. Donc non. De toute façon, t'as pas le droit. Ta taille? 1m63. Ton poids ce matin, 92,6. N'oubliez pas d'apporter ce questionnaire rempli le jour de votre consultation. Il le répète.
avec carnet de santé pour les enfants, mais bon, ça ne concerne pas. Je confirme avoir reçu les informations écrites concernant l'anesthésie, la douleur et la transfusion. Attendez, il faut que je lise ça. Mais ouais, faut que je le fasse. Et à remplir lors de la consultation. Ah, c'est avec le médecin. Ok. Fini. Mais je crois qu'il y avait autre chose à remplir. J'avais vu. Il y a Lisa, si vous entendez. Qui tient entre ses doigts. De Lisa. Ah, voilà. Le testin de Lisa qui tient entre ses doigts. En gros, c'est une autorisation de prélèvement lors d'un accident d'explosion de sang. En gros, si le chirurgien ou quoi, il se coupe. En gros, s'il t'autorise à ce qu'on analyse ton sang, même si tu es sous anesthésie, et qu'on puisse le soigner si tu as quelque chose, style hépatite B, hépatite C, VIH ou d'autres. Et après, tu dis. Nous vous remercierons de cocher les cases ci-dessous selon votre décision. J'autorise l'hôpital à prélever mon sang pour doser le virus, hépatite B, C, VIH, pendant mon anesthésie si le personnel se blesse avec mon sang. Bah oui, j'autorise. Miskine. Je souhaite être informé des résultats ou pas. En gros, oui, je souhaite. J'aimerais bien savoir si j'ai quelque chose. Hein. Et voilà. Nom, prénom, date, signature, lui est approuvé. Et voilà. Bon, je sais pas trop si ça vous intéresse de ouf, hein, mais bon, comme ça, voilà. Donc, j'ai les informations concernant l'anesthésie, ça va être tout un blabla là, qui t'explique tout. Bon, j'ai pas encore lu totalement, mais bon, je sais à peu près c'est quoi une anesthésie. Hein. C'est quoi ça? Ouais, le service dans lequel je serai. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire avant la veille, tout ça. Ça, c'est mon rendez-vous pour post-opératoire. Bon, ça y est, j'ai tout lu, tout est ok. Et de toute façon, je connais déjà. Et là, vous voyez pas, mais il y a une tache. Je sais pas c'est une tache de quoi, mais est-ce que vous saurez comment on peut enlever ça? Parce que je suis dégoûtée. Je ne l'ai même pas porté beaucoup et il est déjà taché de. Je sais même pas c'est quoi. Et j'ai un peu le seum, un peu beaucoup le seum. C'est pour ça que je n'achète jamais de blanc. Enfin, rarement. Et ça me saoule. Donc si vous avez des petites astuces pour moi, je suis preneuse. Là, ça se voit pas. Mais voilà. T'inquiète pas, t'es pas tout seul. On est deux. Je vous mets le TikTok référence qui tourne dans ma tête. T'inquiète pas, t'es pas tout seul. On est deux. Donc voilà. Et je vais me coiffer et après je vais faire d'autres TikTok. Parce que vas-y, mes cheveux là, c'est plus possible. Je les ai gardés en chignon H34. Voilà. Allez! Nona, ils vont reconnaître Ramatoulaye. D'accord. Je vais me cacher. T'as dit t'as quoi? Un triple. Oh, non, un double. C'est à cause de toi, je dis triple. Je commence à avoir du on menton. On dit toujours triple, on dit j'ai un triple menton, on dit pas j'ai un double menton. Qui dit on a un triple? On dit on a un double. D'abord pour commencer, on commence par double. Ok. Enfin bref. J'étais en train de faire des TikTok tranquillement comme d'hab. Enfin comme d'hab, ouais, j'arrête pas avec les TikTok, mais je fais pas que ça. Mais là, il faut que j'enlève ça parce que je meurs de chaud. Et. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai pas fait grand-chose. Coucou, on est mercredi 12 février 2020. Il est 11h05. Je vais, enfin tarder, j'allais dire pas tarder, mais tarder un peu à bouger, manger avec des copines. Et je pense que j'enchaînerai sur la salle directe. Je pense pas que je repasserai par chez moi. Je pense que je vais prendre même mes affaires. Mais parce que au départ, je me disais, vas-y, je vais passer chez moi, comme ça je me change et tout. Mais je vais faire ça à la salle, je pense. Et voilà, c'est tout. Coucou, il est. Purée, j'ai pas appuyé. C'est rien. En fait, si j'ai appuyé, mais ça a pas appuyé. Je suis rentrée. Enfin, je rentre, il est 21h30. J'ai reçu un petit colis, je suis trop contente.
C'était cool le sport. Je suis allée avec une copine à moi. On était partis, vous savez, manger ensemble. Et au final, après, elle est partie avec moi à la salle. Donc c'était trop bien. Elle a filmé quelques rushs pour moi. Donc je pourrais vous montrer un peu le cours de pump. Et franchement, je sais pas, ce vlog fera combien de temps. Je sais pas si je le divise en deux. On se tient en jus. J'arrive chez moi et puis bisous. Oh là, on est jeudi 13 février. Il est 10h17. Hier, je vous avais dit que je vais aller vous mettre des rushs de la salle. Je sais pas si je vais en mettre, honnêtement. Je vais voir si je peux couper, genre qu'on voit que moi. Parce que j'ai pas trop envie qu'on voit tous les autres. Et sinon, je le mettrai sur Insta ou sur Snap. Donc, si vous me suivez pas, je vais quand même mettre pas mal de vidéos de du cours de body pump, du coup. Et comme ça aussi, plus tard, je pourrais voir mon évolution, tu vois, comment j'étais au début, enfin au début, ouais, au début on va dire, parce que pour moi là ça a pas vraiment commencé le sport, dans ma tête. Après l'opération ça commencera vraiment, et on déconne plus là. Et là je vais prendre mon petit déj, et je vous reprendrai pour quand j'irai au, comment ça s'appelle, au rendez-vous avec l'anesthésiste. Et là je suis teg, il pleut, il fait gris, et il a l'air de faire froid. J'espère que ça va pas être trop relou. Ah oui, le colis que j'ai reçu hier. Bon, j'ai pas tout reçu, j'ai reçu que un truc. Genre, c'est un cahier de coloriage. Genre, jeter des confettis d'amour. Livre de coloriage inspirant pour adultes. Et donc, alors le premier, c'est ça. Il y a plein de petits dessins. Et c'est écrit « Lève-toi et sois heureux ». C'est pas mal, ça. Je vais faire celui-là, je pense, aujourd'hui. Je vais commencer. Et allez, mon deuxième, c'est ne perds jamais ton sens de l'émerveillement. Oh, c'est mignon ça. Mais bref, chaque fois que je vais en faire, je vais vous montrer. Et le plus chaud, c'est de choisir les couleurs. Parce que vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas fait de coloriage comme ça. Oh, let's go. Bon, recoucou. Il est 17h36. J'avais rendez-vous avec l'anesthésiste, mais je n'ai pas pu y aller car il n'y avait pas de train. Du coup, je les ai appelés pour les prévenir. Et donc, j'ai rendez-vous finalement demain à midi. Et ce vlog part totalement en live. Ça me dérange. Donc ouais, ça me gave, ça me dérange parce que je comptais faire un vlog comme ça, genre juste sur l'anesthésie. Comme ça au moins, je sais pas, ça serait logique, tu vois, vu que j'ai rempli avec vous le questionnaire. Et du coup, bah là, ça m'a perturbée. Du coup, là, je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu comme colis. Et je commence un nouveau vlog demain avec le rendez-vous, même s'il se passera pas trop grand-chose. Donc désolé si ce vlog, vous le trouvez un peu plat. Enfin, vu que franchement, la majorité, je crois, on remplit le questionnaire ensemble. Cool. Mais bon, voilà. Donc je vais juste vous montrer les colis que j'ai reçus et après, on se quitte. Donc j'ai commandé sur Amazon deux trucs comme ça. En fait, c'était 20 kilos qui arrivent en deux sachets différents. C'est de la litière végétale et en gros, elle fait des boules en gros quand le chat va faire ses besoins. Et donc, elle est plus propre et normalement, elle garde les odeurs et tout. Et elle est compostable, genre c'est un compost, tu peux le mettre dedans. Donc on va tester ça pour voir si c'est cool ou pas. J'ai aussi acheté ça, un destructeur d'odeurs. Je sais même pas si ça marche, mais je trouve qu'ils sont quand même assez fort la menthe. Hein. J'espère que ça va pas les déranger, on verra bien. Bref, c'est pour qu'il n'y ait pas trop d'odeur. Et en plus, ce caramello, faut que je le castre bientôt parce qu'il n'arrête pas de faire pipi partout. Donc voilà. Et je vous avais déjà montré celui-là tout à l'heure. Et enfin, hier. Non, tout à l'heure. Et j'ai reçu le deuxième tout à l'heure. C'est 80 mandalas. Donc à peu près comme ça. Et il y a des citations à chaque fois à côté. J'ai choisi de prendre mon bien-être en urgence au lieu de prendre mon mal en patience. Ok, c'est pas mal. On aime trop m'interrompre dans cette maison. Donc je disais, par exemple aussi là, au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. C'est grave inspirant, je trouve. Et c'est vraiment super cool. Il y en a un, j'ai payé 6 balles ou 7, et l'autre 8 balles, je crois. Donc voilà. Bon voilà, vite fait, je trouve pas ce vlog super très intéressant à mon goût, mais merci d'avoir quand même regardé. N'hésite pas à mettre quand même un petit pouce. Et je commence dès maintenant un nouveau vlog parce que je peux pas faire des vlogs plus de 15 minutes, c'est comme ça. J'arrive, je peux pas avec mon matériel. Et je vous fais des bisous.